again, rock on again, rock on. Ce qu'on veut, c'est que, en raison de son passé colonial et en raison du vaste empire colonial qu'il détenait en Afrique, eh bien, nous sommes convaincus que la France a une longue histoire avec les peuples d'Afrique et que cela, on ne peut pas l'effacer d'un coup de baguette parce que ça fait partie de notre patrimoine et de notre mémoire collective. Et que la France, la France contemporaine est un peu issue de cette histoire. Parce que je sais qu'on peut dire qu'une bonne partie de la population française est issue de l'empire colonial. Donc si on veut construire l'avenir et le présent, on ne peut pas ne pas tenir compte de cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle la situation s'est inscrite tôt dans un travail de mémoire.